le podcast Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Coco la renarde, sur Instagram et Ravelry. Je suis contente de vous retrouver après si peu de temps entre mon dernier épisode et celui-ci. J'ai réussi à m'y tenir, donc on n'est pas tout à fait à la fin de janvier. Il reste encore une petite semaine. Je ne sais pas combien de temps je mettrai à monter cet épisode, mais en tout cas, je me suis tenue à mon engagement, c'est-à-dire essayer de vous filmer très rapidement la suite de ce que je vous avais montré la dernière fois, à savoir globalement ce que j'ai terminé en janvier-février. Au programme des réjouissances aujourd'hui, j'ai préparé mon épisode, je me suis noté tout ce que je voulais un petit peu vous dire. Donc il y aura de la couture, un tout petit peu de crochet, du tricot et un petit peu de lecture, parce que finalement ça fait longtemps que je n'ai pas partagé avec vous mes dernières lectures. Et à défaut de lire beaucoup de livres papier, je vous avais déjà dit que j'en écoutais un certain nombre, donc ça fait... Enfin, ça va être l'occasion de, finalement de vous partager un petit peu mes dernières découvertes. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler de mes projets couture. Alors certains, peut-être que je vous en avais parlé, peut-être même pas en fait, donc j'en ai deux. Et alors le premier, ça a été un projet qui aurait dû être terminé pour les fêtes, et puis bah, je l'ai terminé il y a... deux semaines, quoi. Donc raté. Alors, ce premier projet terminé, enfin ce premier objet terminé, puisque là ce n'est plus un projet, c'est une jupe. Oh. Alors, je n'ai pas encore réinstallé Georgie, il faut que je retrouve son pied. Donc pour aujourd'hui, la présentation des vêtements que j'ai cousus, ce sera un petit peu à l'arrache. J'espère pouvoir vous montrer ça un petit peu mieux très prochainement. J'ai pas encore terminé d'installer mon coin couture. En fait, contre toute attente, j'ai beaucoup, beaucoup trop de choses par rapport au rangement que j'ai à ma disposition. Même en ayant ajouté pas mal enfin une étagère de plus, en fait, ça ne me permet pas de tout ranger. Donc j'ai encore pas mal de cartons qui envahissent le salon, mais j'espère pouvoir réussir à trouver une solution de rangement très prochainement. Et du coup je pense que je vous ferai une petite vidéo pour faire un petit tour, vous montrer un petit peu mon installation. Voilà, donc en attendant que Georgie nous rejoigne à nouveau, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je vous montrerai à plat, un peu suspendu comme je peux. Alors, donc il s'agit d'une jupe, qui s'appelle I Am Cindy de la marque I Am Pattern. C'est une jupe patineuse qui a été faite avec le dressing de Cindy. Donc c'est une personne qui est très très active sur Instagram, que vous avez probablement dû découvrir dans les émissions de couture. Alors moi j'ai pas du tout suivi ces émissions là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous m'excuserez, je suis sûre que vous êtes en train de souffler le nom derrière votre écran. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais... Ah si, Cousumain. Voilà, je pense que c'est Cousumain. Le réseau. Donc je pense qu'elle avait participé à Cousumain et donc elle a fait un patron collaborateur, enfin deux patrons en fait en collaboration avec Marie Millienne qui est derrière la marque I Am Pattern. Et il y a cette jupe, Cindy, et un body qui va avec, qui est inclus en fait dans le patron de Cindy, qui s'appelle Chantal. Donc cette jupe, je l'avais repérée depuis un petit bout de temps et j'avais envie de tester le jacquard, le tissu jacquard en fait. Donc j'ai commandé ce très très beau tissu. Alors je pense que la marque du tissu, c'est Studio Walkie Talkie. Je ne suis pas sûre à 100%, peut-être que j'inverse peut-être que j'inverse le nom. Enfin, j'irai vérifier de toute façon en faisant le montage de la vidéo, je vous mettrai ça dans la barre de description. Donc l'intérêt du jacquard, c'est qu'il est réversible, donc il y a deux côtés, un côté comme celui-là et ce côté-là. Donc évidemment, comme je voulais le faire pour les fêtes,
J'ai choisi le côté brillant pour l'extérieur. Et donc cette jupe, elle est constituée de 2, 3, 4, 5 panneaux avec deux poches. Ça va pas être très facile de vous montrer, je suis vraiment désolée que ça soit pas mieux que ça, mais voilà, sur le panneau du devant, vous avez une fermeture éclair ici que je vous montrerai après, et deux poches comme ça. Peut-être qu'en me mettant debout, voilà. Donc c'est une jupe taille haute, et donc en fait, vous avez le panneau central ici, voilà, avec deux poches comme ça. Voilà. Et donc elle a une ampleur vraiment importante, voilà. Le tissu est très joli, hein. Ce que vous voyez à la caméra, c'est le vrai rendu du tissu. Alors, ce qui ne va pas être évident, c'est de trouver un haut assorti. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur quel haut mettre avec. Alors, je me demande si le plus simple, ce serait pas de porter un pull noir. Parce qu'en fait, c'est assez difficile de trouver un verre qui soit exactement le même que celui-là. Il faut que j'essaye encore, j'ai encore une petite option d'un pull du commerce qui serait peut-être pas trop mal pour aller avec, mais en fait pour l'instant je ne l'ai pas porté parce que je ne sais pas à quoi l'associer. Mais ça je vous en reparlerai parce que en fait quand je couds un projet, j'essaye soit de coudre une tenue complète, soit en tout cas de faire en sorte que j'ai un pull ou un gilet qui soit assorti avec ce... avec le bas ou en tout cas avec la robe ou le pantalon, la tenue que j'ai cousue. Donc cette jupe se ferme par une boutonnière, voilà, et puis un zip invisible. Alors je suis pas très contente de mon zip, en fait je l'ai peut-être posé un tout petit peu trop bas, j'avais peur de le mettre trop haut, finalement je l'ai mis un petit peu bas, c'est pas catastrophique, hein. Mais c'est vrai que du coup là je suis un petit peu embêtée pour les finitions, c'est pas nickel. Alors, le jacquard, c'est un tissu qui n'est pas facile à... que j'ai pas trouvé très facile à coudre parce que c'est un peu épais. Alors, ça n'a pas été non plus une difficulté monstre, hein, on s'entend bien. Simplement, c'est pas toujours évident d'avoir un rendu très net puisqu'il y a du lurex dedans, enfin en tout cas de la fibre synthétique, hein, le côté brillant, et donc le repassage est pas forcément super efficace ou super simple parce que j'avais un petit peu peur d'abîmer mon tissu. Donc je vois, vous ne verrez peut-être pas, que de temps en temps ça gondole un peu. Avec les épaisseurs de tissu, il y a des coutures qui n'ont pas toujours été très régulières, hein. Mais bon, je vais vous montrer une couture, vous allez pouvoir vous rendre compte quand même. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée épaisseur. Donc peut-être que c'était pas le c'était pas le tissu le plus facile pour tester cette jupe. Mais en tout cas, j'étais très contente de la tester. Alors, j'ai pas fait de toile pour cette jupe, mais ça me pose pas de problème particulier puisque là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Donc, en fait, la seule difficulté, c'était de trouver la bonne taille pour que ça soit adapté à ma mesure de taille, de taille naturelle, puisque souvent, je suis... entre plusieurs tailles, donc selon la forme de la jupe, etc., ça peut être un peu compliqué. Dans le cas d'une jupe patineuse, j'ai même pas regardé les mesures hanches, je me suis vraiment juste appuyée sur la mesure taille, puisque de toute façon, l'ampleur de la jupe n'a aucune importance, puisqu'elle est très évasée. Au niveau du tissu, donc il vaut mieux le surfiler, parce que ça a tendance à s'effilocher un petit peu. On peut voir, voilà, des petits fils qui... alors attendez, les fils focus. Voilà, des petits fils qui dépassent là, ça c'est un fil un peu doré. À l'intérieur, ça se voit bien, hein, si
Alors, sachant que j'ai surfilé, j'ai pas encore fini de couper tous les petits trucs qui dépassent, mais vous voyez, on se retrouve vite avec des petits fils qui ressortent. Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment de surfiler. Là, je l'ai fait, mais un peu plus. Je l'ai pas fait à la surjeteuse parce que je l'ai commencé pendant les fêtes, et donc pendant les fêtes, j'étais pas chez moi, j'avais pas ma surjeteuse avec moi, j'avais juste une machine à coudre, donc je me suis contentée de faire un point zigzag. Et c'est pas tout à fait au bord, je l'ai fait un peu plus loin, donc ça explique pourquoi c'est pas très très net. Pour les finitions, comme ça, un tissu un peu épais, je n'ai pas voulu faire un ourlet classique, de peur que ça fasse une surépaisseur supplémentaire, quand j'ai déjà vu un petit peu comme j'avais galéré pour faire une couture nette. Au niveau de la ceinture, j'ai préféré l'option du billet. Alors, je suis allée chez Papa Ours Couture à Lanester pendant que je préparais ce patron en Bretagne pour les fêtes. Et donc, en fait, je suis allée chez Papa Ours Couture parce que je sais qu'ils ont plein de choses et notamment du billet. Et en fait, l'équipe est vraiment toujours aussi sympa et la personne à qui appartient le magasin était là. Je suis arrivée quasiment à la fermeture. Elle a été super sympa parce qu'elle m'a conseillée, accompagnée. On a un peu discuté. Et quand je lui ai parlé de mon tissu, je lui ai montré. Je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un ourlet, mais sans faire un ourlet normal. Qu'est-ce que vous me conseillez comme billet? Et quand elle m'a demandé si on partait sur quelque chose d'un peu fantaisie ou quelque chose de très basique, évidemment, j'ai dit, mais oui, bingo, la paillette. Et donc, j'ai pris quelques mètres de ce très très joli billet doré, voilà, qui est de la fibre synthétique, hein, du coup. Il est très fin, donc parfait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu seulement une partie du billet sur le bord de mon tissu jacquard. Et ensuite, j'ai replié simplement cette partie et j'ai cousu l'autre partie en haut. Donc j'ai pas pris le tissu en sandwich avant de faire une couture, j'ai simplement fait quelque chose de... Voilà, j'ai fait un raccord, donc en fait ça fait une finition très propre, voilà, sans surépaisseur, donc là on est vraiment sur quelque chose de quasiment aussi fin que le tissu. Il n'y a pas de tissu, de fil qui se balade partout, et du coup... là où il pouvait y avoir un petit peu d'épaisseur, où j'ai pas toujours pu placer mon biais le plus nettement possible, au pire, on voit simplement un tout petit peu de doré qui dépasse. Du coup, c'est très sympa. Et comme c'est une jupe qui a beaucoup d'ampleur, en fait, on voit un petit peu au porté l'intérieur. Donc, c'est super que ça soit réversible. Et ça me plaît d'autant plus d'avoir mis ce petit bien un peu fantaisie à l'intérieur, que ça ne dérange absolument pas qu'on voit les finitions à l'intérieur. Alors, je ne me suis pas embêtée avec un fil de canette doré. J'ai utilisé le même fil pour les deux côtés, donc c'est du vert très foncé assorti à mon tissu. Voilà, moi ça ne pose absolument aucun problème. Quand je vois les finitions des vêtements du commerce, franchement, pas trop trop de scrupules. Les petits boutons, donc là j'ai choisi des petits boutons, toujours chez Papa Ours Couture. Ce sont des petits boutons métalliques avec à la fois du doré et de l'argenté, parce que j'arrivais pas trop à savoir si c'était plutôt doré ou argenté, le côté brillant de la jupe. Et puis finalement, je trouve que ça va plutôt bien. J'ai fait une petite boutonnière, il me reste encore quelques petits fils à couper par-ci par-là, mais globalement, voilà, elle est prête à être portée. Alors, le petit couac, j'ai dû faire un petit raccord au niveau de la ceinture ici, parce qu'en fait je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais il me manquait quelques centimètres pour pouvoir fermer la jupe, donc j'ai dû faire un petit raccord qu'on ne verra probablement pas beaucoup, parce que franchement, bon, ça, voilà, ça passe. Là, en fait, il est là, le raccord, mais juste ici, mais comme on voit qu'il y a des motifs à côté, c'est pas particulièrement flagrant. Voilà ce que j'avais à dire sur cette jupe. Alors, le tissu jacquard, je l'avais commandé en ligne en
2020, je crois, sur le site Henri et Henriette. Ça m'arrive de temps en temps de leur commander du tissu. C'est une boutique qui est en Bretagne, je ne sais plus où. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller pour de vrai, parce qu'elle était trop loin de chez moi. Mais elles ont de très très jolies choses, et notamment les Jacquard Studio Okitoki. Voilà, donc affaire à suivre, puisque du coup maintenant il faut que j'essaie de trouver quelque chose qui aille avec. Alors je pense qu'un petit pull noir c'est ce qui ira le mieux, mais je vais quand même chercher encore un petit peu. Donc ça c'était pour ma première pièce couture terminée. La deuxième, alors, c'est peut-être un projet dont je vous avais parlé. Ça fait un petit bout de temps, pareil, que j'ai le tissu. Ça fait un bout de temps que j'ai le tissu. En fait, je suis en train de me dire le jacquard. Je vous dis peut-être une bêtise, il remonte peut-être pas à 2020. C'était peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Oh, bon. C'était une collection récente en tout cas. Donc le deuxième projet que j'avais, c'était un patron que j'ai déjà cousu à plusieurs reprises, qui est un grand classique de ma garde-robe d'hiver et de mi-saison. Je veux parler du short châtaigne. Donc le short châtaigne, j'en ai un marron, enfin dans un tissu un peu tweed, marron noir, que je porte quasiment toutes les semaines à partir de l'automne, dès qu'il commence à faire suffisamment froid pour porter des collants. En fait, je le mets vraiment très 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 souvent. J'en ai deux des shorts châtaignes. J'en ai un autre qui est taille. Donc le marron à la taille normale. J'en ai fait un autre en lainage gris qui est taille haute. Donc avec cette jolie ceinture en piècement, mais qui monte vraiment très haut. Hein. Je pense que ça arrive au moins là. Hein. Donc pour moi, ça arrive vraiment ici à la taille naturelle. Et donc j'avais trouvé chez Papa Ours encore à la Nester ce très très joli lainage à carreaux. Alors c'est un lainage très très léger. Alors je suis même en train de me demander si c'est pas un genre de flanelle. Il est légèrement extensible, alors très 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 légèrement. Donc c'est un tissu sur lequel j'ai eu un petit coup de cœur, parce que comme vous pouvez le voir, c'est du gris avec du jaune un peu moutarde. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, et puis si vous suivez un petit peu ce que les autres les podcasts depuis le début, vous savez que le jaune moutarde, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mon fauteuil, preuve à l'appui. Et donc en fait, quand j'ai vu l'assortiment de couleurs, je l'ai tout de suite imaginé en short châtaigne, et je voulais même l'assortir avec mon gilet coquille. Alors j'ai même pas encore, je me suis rendu compte que j'avais même pas encore fait de photo de mon gilet coquille. Il faudra que je remédie à ça, parce que c'est un gilet que je porte beaucoup. Alors un petit peu moins en ce moment, parce qu'il est quand même un peu léger, même s'il tient chaud. Il ne me tient pas aussi chaud que d'autres pulls ou gilets tricotés. Mais en tout cas, je l'avais imaginé pour aller avec ce short, et c'est un duo gagnant. Je trouve l'ensemble très joli. Les deux nuances de jaune vont bien ensemble, le gris et le jaune. Je trouve que c'est un combo qui match plutôt bien. Et que vous dire sur ce short, en fait, alors si vous voulez avoir tous les détails, j'avais écrit un article de blog sur mon blog Un renard dans la penderie, que je n'ai pas mis à jour depuis fort longtemps. Je ne l'abandonne pas, je garde en tête l'idée de l'alimenter à nouveau un jour, mais c'est vrai que ça va plus vite de tourner finalement un podcast que de prendre le temps de faire toutes les photos, d'écrire un article. Et j'aime beaucoup cet exercice-là, mais voilà, là, dans mon quotidien actuellement, je ne peux pas mettre ça à jour, en fait, et j'accumulerai beaucoup, beaucoup trop de retard et de frustration. Donc, quoi qu'il en soit, je vous remettrai le lien, si vous voulez aller voir un petit peu ce que j'avais dit du patron à ce moment-là. Donc, c'est un patron que j'aime beaucoup, que j'avais testé deux ou trois fois avant de trouver la formule qui va bien,
Donc là, je n'ai eu qu'à réutiliser le patron tel que je l'avais décalqué, adapté. Je me suis essayée au raccord de motif. Alors, c'est pas optimal parce qu'évidemment, il y a toujours un moment où ça marche plus trop. Alors, il y a des endroits où ça a bien marché. Hein, ici, bon là, après, il y a des petits plis. Alors, on peut pas, je peux pas faire de miracle non plus. Au niveau de la ceinture et du raccord entre jambes, on n'est pas trop mal. Là où ça marche moins bien, alors on va dire sur les côtés, là le raccord il est plus qu'approximatif, là j'en parle même pas, donc j'ai mis une fermeture censée être invisible, mais j'ai encore un petit peu de mal à jauger la proximité de l'aiguille avec l'écran de la ceinture, donc c'est pas nickel. Alors une fois porté, en fait ça se voit beaucoup moins que quand je vous montre comme ça. Il y a juste vraiment en bas où là je me suis un peu ratée, mais bon, ça viendra. Et puis quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Ce que j'adore dans ce short, ce sont les poches. Et puis donc pour la longueur, là pour vous donner une idée, donc il m'arrive là, ça arrive à peu près à mi-cuisse, donc c'est une longueur tout à fait respectable. Je suis partie sur la forme la plus simple, donc taille normale, et puis le revers classique. Voilà, ce qu'il faudra que j'essaye, c'est une version à feston. J'avais beaucoup aimé une version de Sandra, by Sandra's Hand sur Instagram, qui avait un blog aussi mais qui ne le met plus à jour depuis longtemps. Elle avait fait un short châtaigne avec la finition feston en bas, donc au lieu d'avoir le revers, ce sont des petites vagues, enfin un motif de feston, et elle l'avait fait dans une matière type suédine. Et je trouvais ça pas mal du tout, donc je pense que j'essaierai à l'occasion de faire une version comme ça, parce que je trouve que c'est sympa aussi. Peut-être si je trouve une suédine rouge pour me faire un petit châtaigne de Noël, ça pourrait être cool. Voilà, ça c'était pour la couture. Après, j'ai des projets couture, mais je ne vais pas vous en parler maintenant, parce que j'ai encore besoin de réfléchir un petit peu. J'ai des projets couture en tête parce que au mois de mai, nous allons être de mariage, et donc les mariages, c'est toujours un peu l'occasion de me préparer une jolie tenue. Et j'avais eu l'occasion peut-être d'en parler auparavant, mais c'est vrai que même pour les mariages, j'essaye de me coudre une tenue que je puisse réutiliser au quotidien, puisque l'idée c'est d'avoir une garde-robe qui soit compatible, qui soit pas forcément limitée par saison. Si possible, bon, évidemment il y a des pièces qui sont carrément estivales que je peux pas porter à un autre moment, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir des pièces que je puisse réutiliser plutôt que d'avoir des robes que je suis très contente d'avoir porté, d'avoir cousu, mais qu'au final je ne peux pas réutiliser par la suite parce que c'est trop habillé. Donc là, j'ai en tête au moins une jupe, mais comme c'est un mariage qui aura lieu dans le sud de la France au mois de mai, il faut que je vois comment j'assortis cette jupe, parce que ça peut être quitte ou double. Soit il fait une chaleur quasi estivale et donc il faut prévoir un haut qui soit adapté. Moi j'étais partie sur un soit il fait un peu frais, et à ce moment là je peux partir sur des manches longues, trois quarts et ou un pull. Donc je réfléchis encore un petit peu, mais dans tous les cas, comme c'est une jupe que je compte remettre, j'ai prévu un certain nombre de combinaisons possibles avec d'autres choses, donc je vous en reparlerai, parce que ça fera partie probablement des projets en cours du prochain épisode. Je vais maintenant passer au crochet. Alors, j'ai fait du crochet. Alors, en fin d'année dernière, quand je suis allée au CSF, j'avais pour projet d'acheter ce petit livre.
Donc, il s'appelle Adorable Dinette de Socroche sur Instagram. Et en gros, je m'étais dit en novembre, parce que j'aime bien me fixer des objectifs réalisables du style en novembre, me dire oh, ça serait super de faire une petite dinette crochetée pour les enfants dans le calendrier de l'Avent. Je vous entends rire, vous avez bien raison. Donc, en réalité, je n'ai jamais commencé parce que très vite je me suis dit que c'était pas possible de commencer ça début décembre et espérer avoir rempli le calendrier en 5 jours. Voilà. Donc c'est pas grave, je me suis dit que le mieux c'était de le faire pour le calendrier de l'Avent de 2022, donc de cette année. Et puis du coup finalement je me dis c'est pas mal, je pense déjà à Noël en janvier, c'est mieux que juillet, hein, parce que en juillet c'est bientôt Noël, c'est bien connu. Donc, pour en revenir à mon histoire de dinette, j'ai donc acheté ce petit bouquin qui est super sympa. Donc il est un peu, enfin ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti. Il est sorti en 2019, donc j'arrive un peu après la bataille. Hein, vous l'avez probablement déjà vu. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait il y a plein de petits fruits et légumes. Alors, plutôt des fruits que des légumes, d'ailleurs, je crois. Non, je dis des bêtises. C'est vrai qu'il y a pas mal de légumes aussi. Voilà, donc les légumes. Et j'avais du coton en stock, déjà. Du orange et du vert, pour être précise. Et donc, en fait, je me suis dit que j'allais, petit à petit, essayer de crocheter des fruits, des légumes, tout au long de l'année, un petit peu comme ça, au fil de l'eau, entre plusieurs projets, en plus des autres projets, parce que ce sont des petits objets. Et alors, j'ai commencé par la clémentine. Voilà. Alors, donc, on a déjà, je vais vous montrer, je vais peut-être commencer par ça. Donc, dans ce livre, vous avez tout un ensemble de très jolies photos qui vous permettent de découvrir les différents modèles. Donc, on a des cerises, des pêches, des prunes, des aubergines, des radis. Ensuite, vous avez quelques pages. Alors, c'est vraiment un tout petit ouvrage. Hein. Ça fait, il fait 63 pages. Donc, c'est vraiment un petit ouvrage. Mais dedans, vous trouvez quand même un petit cahier technique. Voilà, dans lequel on va vous parler du matériel, des différents points qui vont être utilisés. Et ça, pour moi, c'est toujours pratique parce que, comme je vous l'avais déjà dit, le crochet, c'est un peu moins mon truc que le reste. Parce que j'ai un petit peu du mal à gérer ma tension quand je fais les mailles. Et puis parce qu'en plus, il me faut un peu de temps pour mémoriser les points. Et en fait, je les oublie très vite. Donc, à chaque fois, il faut que je... Bon, à part la maille serrée, la maille levée et la maille coulée, qui sont vraiment les trucs basiques de chez Basique, il faut que je retourne régulièrement voir comment on fait. Donc là, c'est bien de l'avoir dans le bouquin parce que je sais que je peux très vite y retourner. Il y a à la fois des petits schémas et les explications rédigées. Donc ça c'est pas mal, et puis au pire après je peux toujours aller chercher un tuto sur YouTube si vraiment j'ai un doute. Alors après, il y a des fiches par légumes, donc là, enfin légumes ou fruits d'ailleurs. Donc j'ai commencé par la clémentine parce que j'ai plusieurs pelotes de coton. Alors c'est du coton qui vient de chez Sostrem Graineux, je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous le savez, je suis curieuse de savoir comment ça se prononce. Je crois que c'est Graine, Sostren Graine, un truc comme ça. Donc c'est une chaîne de magasins un peu scandinave, donc l'étiquette est comme ça. C'est du 100% coton. On n'a pas des tonnes d'informations. A priori, c'est... Ouais, donc, à part du 100% de coton, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, vous avez donc ça se lave à 60. Voilà, et quelques informations pratiques là. Taille d'aiguille, tout ça. Donc en fait, j'avais acheté quelques pelotes il y a vraiment longtemps, il y a au moins 5 ou 6 ans. Donc ça fait un petit bout de temps. En tout cas, donc, j'avais du orange comme ça. Et
j'ai du vert. Voilà. C'est à peu près tout, mais j'ai au moins deux pelotes d'orange. Donc j'ai de quoi faire des carottes et des clémentines encore pour un petit bout de temps. Alors, ce qui est sympa sur ce petit bouquin, c'est que en haut, là, vous avez le temps de réalisation des fruits ou du légume. Vous avez aussi la photo pour vous reporter. Donc là, c'est page 8. Je vais vous montrer donc les petites clémentines. Voilà. Et ensuite, vous avez les explications de tous les éléments. Donc là, il y a une feuille, une tige et puis la clémentine. Et donc, vous avez les explications rédigées pour crocheter les clémentines. Et donc, j'ai commencé fin janvier, mi-janvier, je ne sais plus. Et j'en ai crocheté deux. C'est le début d'une longue production. Voilà. Alors, la première que j'ai faite, c'était celle-là. Donc, voilà. Il y a un petit peu Elle a une tige qui est un peu faiblarde. Voilà. La feuille n'est pas nickel. Mais on retrouve quand même globalement l'esprit de la clémentine. Même si mon mari s'est moqué de moi. Moi, je trouve que c'est une clémentine tout à fait honorable. Je m'auto-congratule. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, ça, et puis, donc, après... ou alors même, c'est l'inverse. Je ne sais plus. C'est peut-être celle-là, la première. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, autant à la première... Oui, c'est peut-être celle-là, la deuxième. La première, j'ai un petit peu galéré, parce que je découvrais les explications, mais finalement, à la deuxième, ça m'a paru un peu plus facile. Je pense que pour les suivantes, ça devrait aller mieux. Je pense que de toute façon, c'est toujours pareil. C'est à force de pratiquer qu'on se perfectionne. Donc là, pour la première, en fait, pour le rembourrage, j'ai utilisé tous mes petits restes de fil. Alors, pas tous, mais j'ai utilisé des petits restes de fil. En fait, lorsque je tricote, je garde une grande boîte. Enfin, un grand bocal dans lequel je mets tous mes petits rogatons de fil. Et puis ça fait un sacré paquet de temps que je les stocke. Donc je dois les stocker depuis 4 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal pour faire du rembourrage. Et donc c'est ce que j'ai fait dans celui-ci. Et franchement, c'est pas mal. On voit pas trop à travers, sachant que là... oui, mais c'était celle-là, la première, parce qu'on voit un petit peu plus de jour. Alors... c'est pas aussi régulier. Et ça, c'est la deuxième. Voilà. Et on voit que c'est un peu plus régulier, un peu plus serré. Donc, je me suis améliorée entre les deux. Voilà. Donc, en fait, je trouve ça plutôt sympa parce que c'est vraiment... ça va assez vite. Hein. Bon, là, je suis pas très rapide en crochet, mais je crois que à chaque fois, il m'a fallu... Sachant que je faisais juste quelques ronds par-ci, par-là... 2 ou 3 jours pour en faire une à chaque fois, alors sachant que c'est vraiment comme je disais, je faisais que quelques ronds par-ci par-là. À mon avis, les 40 minutes, on les fait sans problème quand on est tranquille, qu'on n'est pas interrompu, puis qu'on a pris un peu le coup de main. Donc pour les, donc c'est une surprise pour mes enfants pour Noël prochain. Donc pour l'instant, j'ai récupéré cette cagette de clémentine tout à fait appropriée. Et puis, bah, je vais remplir petit à petit ma caisse. Donc, je pense que je vous ferai des petites vidéos d'avancement. Je vais peut-être faire ça, ouais. Ça pourrait être sympa de faire peut-être des petites photos avec les fruits et les légumes qui s'accumulent dans la caisse. Et puis, de faire un petit montage après. Ça pourrait être sympa. Bon, je garde l'idée pour l'instant. Elle n'est pas très remplie, mais je compte bien. Je pensais faire au moins 6 clémentines. Et puis après, peut-être passer à des carottes. Parce que l'idée, c'est d'utiliser déjà ce que j'ai en stock avant de commencer à acheter d'autres couleurs. Comme ça, ça peut devenir peut-être un peu lassant. Mais l'idée, c'est vraiment de finir mes restes. Ou en tout cas d'utiliser vraiment ce que j'ai en stock parce que je prépare un déstage. Alors j'ai commencé à trier un petit peu, mais il faut vraiment que je fasse du vide. J'ai beaucoup beaucoup trop de fil de laine. Il faut que je fasse un petit peu.
du vide. Donc moi, je les crochette dans les... avec les crochets recommandés. J'ai pas du super matériel. Hein. J'avais un assortiment de crochets que j'avais acheté probablement sur Amazon. Voilà, donc ce sont des crochets qui sont peut-être pas très ergonomiques. Pour l'instant, ça me va. Je suis pas une grande crocheteuse, donc je ne vais pas acheter du matériel exprès. Peut-être que j'utiliserai de la pâte Fimo, parce que j'ai de la pâte Fimo qui commence à vieillir un peu. Peut-être que je l'utiliserai pour essayer de faire des manches, si je vois que vraiment je crochète pas mal, que j'en fais un peu plus et que je trouve ça inconfortable. J'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. Alors, c'est le pull, le modèle Branches and Buds, que j'ai tricoté il y a au moins 5 ou 6 ans dans la laine Flora de Drops, qui vieillit, ma foi, plutôt bien. Ça bouloche un peu, donc je le rase de temps en temps. En général, une fois avant l'hiver, enfin avant de le reporter. Et puis, dès qu'il commence à faire beau, que je peux faire pas mal de lessive, j'en profite pour laver mes tricots un peu au fur et à mesure et puis les re-raser un peu. Donc là, il a plutôt pas trop mal vieilli, sachant que la drop, ça la tense à boulocher un peu. Voilà. Je l'aime beaucoup ce pull, mais à chaque fois je galère un peu parce que les manches ont tendance à remonter. Alors moi j'ai tendance à remonter mes manches sur les avant-bras, ce qui n'aide pas, mais je trouve que c'est un peu court. J'aime pas quand ça arrive au-dessus du poignet et il aurait peut-être fallu que je les fasse plus longs, je ne sais pas. Mais je me disais que peut-être je referais une version parce que je trouve qu'il est sympa. Il est assez chaud, alors après... il est un petit peu décolleté dans le dos, donc ça fait des petits courants d'air là. Quand il fait un peu froid comme ces jours-ci, je mets un châle autour du cou parce que j'ai un peu froid. Et je porte mes jolies chaussettes tubes que je vous avais montrées la dernière fois. Voilà. Et c'est une laine qui est super agréable à porter dans mes petites bottines là. C'est top. Et voilà, ça m'arrive. C'est vrai que je les ai pas montrées portées la dernière fois. Mais voilà, hop. Ça m'arrive à peu près là. Donc moi, je pourrais très bien les porter un tout petit peu plus basses. Et avec 3 ou 4 de moins, ça pourrait aller aussi. Rapport à ce que je vous racontais la dernière fois. Voilà. Petit aparté. Ce que je porte. Alors, après, je voulais vous montrer un projet, un test que je ne vous avais pas montré la dernière fois, je crois. Mais je ne sais plus. En tout cas, je l'ai publié sur les réseaux sociaux puisque le modèle est sorti il n'y a pas longtemps. Mais je pense que je ne vous l'avais pas montré puisque j'avais beaucoup de choses à vous montrer déjà la dernière fois. Donc il s'agit du bonnet Snowdrop de Elong avec Anna que j'ai testé dans la plus petite taille puisque je l'ai tricoté pour Asilis. Il est encore un petit peu grand pour elle, je lui ai essayé, c'est très très drôle. Très 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 drôle parce que j'ai réussi à prendre une photo sur laquelle elle avait le bonnet sur la tête avec un grand sourire. On se dit ah c'est super Instagram. Et puis je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram du coup, mais en story j'avais mis l'envers du décor, c'est-à-dire que même pas quelques secondes après la première photo, elle était en train de l'arracher, de mettre le pompon dans la bouche. La vraie vie quoi. Donc ce bonnet Snowdrop, donc, je l'ai tricoté dans la base Merino de la filature du Val Gaudemars. Donc c'était un reste que j'avais du bonnet Maric que j'ai tricoté pour Zachary l'année dernière. Et donc il m'en restait quasiment une pelote complète parce que j'en avais utilisé très très peu. Je l'ai utilisé quasiment jusqu'au bout, donc j'étais super contente parce que j'ai gagné au Yarn Chicken d'une, mais en plus ça m'a permis d'utiliser un reste complet, donc ça c'était top. Donc c'est une laine qui est un peu rustique, mais qui est quand même très douce, donc elle est pas lavable en machine, c'est 100% laine. Alors, on a un super joli motif que vous retrouvez aussi sur le
le bandeau Snowdrop, enfin je crois qu'il s'appelle Snowdrop aussi, qui est un modèle gratuit, si je ne m'abuse, que moi j'ai pas encore tricoté, mais qui je pense finira sur mes aiguilles à un moment ou un autre, peut-être pas maintenant, peut-être plutôt l'hiver prochain. C'est un motif qui est vraiment très sympa à tricoter en fait. Ça a l'air très très élaboré comme ça, mais c'est plutôt simple. Il s'agit de mailles ensemble, donc des glissés-glissés tricotés ou des deux mailles ensemble. Donc finalement, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais c'est. Alors, c'est peut-être pas très facile pour des débutants, mais je me dis que. Si on débute en tricot et qu'on a envie de commencer à faire un peu des motifs plus complexes, il n'y a pas de raison de s'en priver parce que ça peut tout à fait se faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron ? Donc il existe de la taille enfant à adulte. Une fois bloqué, la dentelle se révèle bien. Et puis, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Hein, c'est un petit accessoire sympa. Peut-être que je m'en ferai un. Je ne sais pas, parce que finalement, je me rends compte que les bonnets, j'ai un petit peu du mal. Quelquefois, j'ai du mal à les porter parce qu'il faut se coiffer en conséquence. Et moi, je mets souvent des pinces dans les cheveux et ils ont tendance à remonter un peu. Alors, sauf le bonnet velvet, pour le coup, qui est bien serré et qui bouge pas trop. En fait, les autres ont tendance à me remonter un peu sur les cheveux. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est l'épaisseur des cheveux qui gêne ou quoi. Enfin, donc, du coup, je sais pas si je me le ferai peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'était un modèle que j'ai beaucoup aimé. Et je ferai le headband, parce que là, pour le coup, je le porterai plus facilement. Et en parlant de headband, donc super transition pour le projet suivant, j'ai fini le bandeau Simone de Atelier Emily, que j'avais commencé il y a un bon bout de temps. Voilà, donc c'est un bandeau tout simple, je vais vous montrer, hop. Alors, moi j'aime bien le principe du bandeau parce que justement, par rapport à la façon dont je me coiffe, là, c'est plus facile d'éviter d'avoir les cheveux complètement ébouriffés. Alors, la seule chose, c'est que le problème du bandeau, c'est que ça fait cette espèce de truc de cheveux derrière. Donc, moi j'ai tendance à le mettre sous les cheveux ou alors à le faire quand j'ai les cheveux vraiment attachés. Voilà. Je porte plutôt comme ça, voilà, là ça l'arrache, mais vous voyez, pour éviter d'avoir l'espèce de truc bizarre derrière. Donc il est super, parce qu'il couvre bien les oreilles, là, elles sont bien au chaud. Donc on peut soit faire le petit, enfin moi j'aime bien le petit nœud comme ça, mais on peut complètement rentrer les petits trucs qui dépassent, hein, selon comment vous faites le nœud. Alors, il est tricoté en rond. Pour une double épaisseur de douceur, pour le coup. Donc, hop. Donc, ce sont des torsades 2-2. C'est-à-dire que vous déplacez deux mailles, que vous remettez soit devant, soit derrière. Et c'est un motif sur 8 ranges. Attention, mon patron est dans un état lamentable. Donc, c'est un patron payant, celui-ci. Peut-être qu'il avait été gratuit pendant un petit bout de temps et avant de passer payant, je ne sais plus, je crois que c'était comme ça. Et donc le motif est sur 8 rangs. Donc il se retient assez bien. Alors moi j'ai ma petite technique en fait sur les patrons comme ça, c'est que là pour retenir plus facilement le motif, pour éviter d'aller vérifier, je me suis mis juste à côté quand il fallait mettre l'aiguille devant ou l'aiguille derrière. Comme ça, ça m'évite de me poser la question tout le temps et ça me permet simplement d'avancer mon tricot. C'est un tricot que j'ai fait un peu au long cours. Il n'y avait pas d'urgence, j'avais pas d'urgence particulière à le finir. Je l'ai trouvé très sympa à tricoter. Il est très sympa à porter aussi. Et je l'ai tricoté dans la laine Petite Chérie.
Donc, petite chérie de Mamie Factory. La bonne couleur, c'est plutôt celle-là. Donc, on est vraiment sur un vieux rose. Sur un vieux rose, vous voyez, le fil est assez épais. Voilà. Il est... Voilà, on a deux brins torsadés. Il ne se dénoue pas spécialement quand on le tricote. Franchement, aucune difficulté. C'est assez poilu. Je ne sais pas si... Ouais, je pense que vous devriez le voir. Voilà. On voit, hein, il y a des petits poils. Alors... C'est un fil qui est composé de mérino et d'angora. Donc là, il y a 80% de mérino et 80% d'angora. Comme d'habitude chez Mamie Factory, ça je vous en avais déjà parlé. Alors, encore une fois, je n'ai pas d'action chez Mamie Factory. C'est simplement que je trouve que leur laine est vraiment pratique. Parce que ça passe en machine. Donc celle-ci ne fait pas exception. Elle passe en machine à 30 degrés. Attention, pas de sèche-linge. Et vous avez donc 125 mètres pour 50 grammes. Ça se tricote en aiguille 4 ou 4,5 pour un échantillon de 18 mailles et 24 rangs. Voilà. Donc, petite chérie. Alors, comme souvent chez Mamie Factory, il n'y a pas énormément de couleurs. Mais il y a quand même des... Enfin, je trouve toujours au moins une couleur qui me, voilà, qui me plaît. Et donc, dans cette laine-là, j'ai pris donc, ce coloris un peu vieux rose et du bleu marine. Donc, je voulais me faire un autre bandeau en bleu marine, puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai utilisé, là, vous voyez, c'est ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc, je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'il doit me rester, plus de 25 grammes. Parce que elle n'était pas si entamée que ça. Donc, je pense qu'avec ce qui reste, je vais essayer de faire un petit bandeau tout simple pour Asilis. Et je ferai probablement la même chose avec les pelotes bleues. Si ce que j'en fais me laisse suffisamment de reste, je ferai aussi un petit truc pour Asilis. Donc, le petit bandeau Simone, super sympa. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre un projet, je vais mettre sur pause et puis je vais revenir. Voilà, je suis de retour. Donc j'en ai fini avec mes projets, enfin avec mes objets terminés. Donc là pour les... Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai fini mon châle Blossom. Mon châle Blossom est terminé mais il est encore mouillé et au blocage. Donc je vous montrerai la prochaine fois, mais ce que je voulais vous raconter à propos de mon châle Blossom, c'est j'ai perdu au Yarn Chicken, mais vraiment perdu quoi. C'est-à-dire que je pense que j'ai dû... Alors, je suis arrivée sur la fin, j'ai dû défaire et refaire au moins deux fois, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais au bout de ma pelote et que je n'étais pas encore en train de tricoter, enfin je commençais à peine à tricoter la bordure. Donc en fait, j'ai dû réduire, j'ai dû enlever les 5 derniers rangs de dentelle. Et au lieu de faire 4 ou 5 répétitions du motif de la bordure, je n'en ai fait qu'une seule. Donc en fait, je me retrouve avec une toute petite bordure. Je vous montrerai ça, je pense que je vais inclure, je vais peut-être inclure un petit passage où je vous filmerai pour vous montrer le résultat, puisque là, comme il est tout étendu, bloqué, épinglé, on voit bien, donc je vous ferai... peut-être un petit insert. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour les objets finis. Pour les encours, ce que j'ai, alors en couture, j'ai un kit, le kit Lily, que j'ai acheté à Rose Minuscule. Donc je vous avais parlé de ce livre il y a l'été dernier, l'été dernier ou avant l'été dernier. En tout cas, pas loin de l'été dernier. Et donc, en fait, c'est un livre avec des super jolies petites peluches. Et Rose Minuscule a proposé des kits de certains de ses personnages. Et j'en ai acheté quelques-uns. J'ai du coup commencé le kit Lily. Et là, je vous ai fait une petite vidéo que j'inclurai à la suite.
Donc, je ne l'ai pas encore fini, mais il est bien avancé. Et donc, c'est un petit projet que je fais un peu au fil de l'eau depuis le début du mois de février. Je pense que je vais faire de plus en plus ça, en fait, parce que ça me permettra de pouvoir faire... parce que maintenant, j'ai une table de coupe, en fait, sur laquelle je peux me permettre de laisser des choses un peu en cours, sans que ça soit trop dangereux pour les enfants qui courent autour. Mais du coup, je vous montrerai ça parce que c'est super sympa à faire. Ça mêle un peu crochet, un peu de couture. Et puis, là, c'est pour décorer la chambre d'Asilis. Donc, je vous montrerai ça, je vous montrerai l'avancée. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt un projet au long cours. Mais c'est pas très complexe, c'est juste que je fais plusieurs, je le fais en plusieurs fois. En tricot. Ce que j'ai en cours, ce sont des chaussettes. Alors, ce sont les chaussettes Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes dont je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, je ne sais plus si je vous les avais montrées. Voilà, donc il y a un joli petit motif. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, avec un peu ajouré. Le fil que j'utilise, c'est de la laine Vilaine. Le coloris, c'est... Lézardé sur la brique, je crois, quelque chose comme ça. Je vous remettrai parce que là, je ne sais pas si j'ai l'étiquette, mais je ne vais pas perdre trop de temps parce que, à vérifier, parce que là, vous voyez, c'est un coloris vraiment tomate, brique, ce que vous voulez, légèrement un peu rouge, entre le rouge et le rose. Donc, on les commence par la pointe et puis après, on commence à tricoter le motif et puis ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, pareil, c'est un projet au long cours, je ne me mets pas la pression dessus, je tricote un petit peu quand je peux. Je les avance au fur et à mesure. Voilà, elles sont dans un joli petit pochon à Polonie qui vient d'une petite box que j'avais eue, que j'avais prise. C'était une collaboration à Polonie et Willis Kane. Donc voilà. Quoi d'autre? Alors, en encours, je l'ai montré sur Instagram. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai publié le custom de ce projet. Alors, il s'agit du fameux Love Note. Voilà. Alors, on dirait une brassière, comme ça. Mais ce n'est pas une brassière, ni un cache-poussière. Alors, il a bien avancé. Voilà, j'ai fini le corps. L'encolure, je l'ai terminée hier soir, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Donc là, tous les fils, voilà, tous les fils débordent. La dentelle, on voit que dalle pour l'instant, mais elle se révélera. Hop, je ne sais pas si... Non, ça ne sert à rien. Voilà, et donc là, je suis en train de tricoter. J'ai commencé à tricoter les manches. Donc, comme souvent, je tricote les deux manches en même temps. Parce que je trouve que c'est plus facile de faire tout ce qui est diminution, etc. au même moment. Mais si, a priori, pour l'instant, il n'y en a pas à avoir un petit bout de temps. Mais voilà, du coup, j'ai à peine commencé. Hein, j'ai juste ces quelques ronds-là. J'ai un très, très joli... Arnaud Marqueur de l'atelier de Calixen, ma copine Fanny Bru, qui j'en avais acheté deux. Le deuxième, je ne l'ai pas sorti. Enfin, je l'ai sorti, il est super beau aussi. Voilà. Donc, ça avance super vite, hein, parce que je crois que j'ai publié la photo pour le Caston il y a 2 semaines et demie, enfin quelque chose comme ça. Et vous voyez, il ne me reste plus que les manches à faire. Donc, il est quasiment fini. Ça se tricote en 4,5 et en 6 mm, donc des pieux, par rapport à mes aiguilles à chaussettes. J'adore la couleur. Alors, pour la couleur, j'ai deux bases différentes. Donc, il y a un fil de mohair et un fil fingering. Pour la fingering, il s'agit... Ouais, je pense que... Ouais, là, on est bon. Il s'agit du coloris brindille de Lisa,
qui est derrière la marque Squirrel's Yarn. Donc là, c'est un très joli nuancé, un coloris un petit peu sable. Très 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 joli, vraiment, j'adore. Là, le rendu, il est top. Je ne sais pas si... peut-être pas bien voir les nuances, mais... Non, je ne suis pas sûre qu'on voit suffisamment les nuances, mais il y a des toutes petites nuances, très jolies. Et pour aller avec, j'ai choisi la couleur Brown Nougat chez Knitting for Olive, qui me semblait être la couleur la plus proche de mon coloris. Et du coup, ça fait un très joli... ça fait très joliment ressortir les couleurs. Donc vous voyez, ça se fond bien dedans. Vraiment bien dedans. C'est super doux. J'ai hâte de pouvoir le porter. Donc c'est un patron de Tink & Knit qui doit être dans mon sac à projet. Hop. Donc c'est un patron de Tink & Knit. Il est très connu, hein, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les différents vlogs ou podcasts. Moi je suis un peu tombée dedans parce que j'ai vu ceux de Margeva et de Mimi Knits. Et donc du coup j'ai profité du cal le Love Note Sweater for Winter. Donc c'est Melquette et Margeva qui ont lancé ce cal, et du coup je me suis greffée dessus parce que j'avais envie de le tricoter, que j'avais les laines, que c'était finalement l'occasion de me lancer, profiter de l'occasion. C'est un patron qui est disponible dans un grand panel de taille, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a beaucoup beaucoup de succès, parce que ça va de la taille 0,6 mois jusqu'à la taille 5XL. Donc vous avez de la taille enfant à la taille adulte 5XL. Et comme je suis vraiment très fan de cette couleur brindille, comme je soutiens Lisa sur Patreon, en fait, je lui ai demandé des écheveaux en ticket dans la même couleur. Comme ça, je vais faire un petit pull pour Azilis. Je pense que je lui ferai dans une taille un peu plus grande que celle qu'elle met là prochainement. Déjà parce que ça se tricote super vite, donc je peux me permettre de faire une plus grande taille. Et puis aussi, surtout pour qu'elle puisse en profiter un peu. Donc je me demande si je pars sur du 18 mois ou sur du 24 mois. Mais ça va être vite vu, en fait. Ça va être soit un an, deux ans. Et je pense que je vais plutôt partir sur ça, soit c'est du 2-4 ans, mais là c'est peut-être un peu grand. Donc je pense que je vais partir sur du 1 an, 2 ans. Et du coup, comme ça, on pourra faire un petit duo mère-fille. Donc après, il n'y a pas de difficulté particulière pour ce pull. Donc on a un petit motif de dentelle qui n'est vraiment pas compliqué. C'est une question de jeter, de mailles ensemble et de glisser, tricoter. On a quelques petits rangs raccourcis en bas derrière pour rallonger un petit peu. Et puis après, sinon, donc on fait un montage provisoire sur le col. On va tricoter donc le motif de dentelle, finir tout le corps, les raglans, etc. Donc on a quelques raglans pour former les manches, et ensuite on vient récupérer les mailles ici, on refait quelques rangs de jersey, et puis ensuite on passe aux côtes 1-1. Donc il y a des côtes 1-1 en haut et en bas. Et ensuite, donc on laisse les mailles en attente, on vient les récupérer, donc j'en suis là. On tricote un certain nombre de centimètres, ensuite on fait quelques diminutions, et puis ça s'arrête. Donc moi j'ai fait la longueur cropped, puisque je voudrais le mettre par-dessus ma robe pléiade, mais il est tout à fait possible de le rallonger. Et là, franchement, j'avais 3 écheveaux. Mon premier écheveau, il me reste ça, donc je suis en train de tricoter la manche avec. Le troisième, je n'y ai pas touché, et le deuxième, il est là. Donc en fait, c'est un pull qui est vraiment économe en termes de métrage de laine, parce que ça, comme ça se tricote en grosse aiguille,
finalement, c'est pas trop gourmand. Donc, c'est un projet qui est vraiment, vraiment sympa. C'est très gratifiant parce que ça va vite. Et c'est vrai que là, bah, je vais avoir pas mal de restes. Donc, je vais voir ce que je vais tricoter avec. Je pense que j'aimerais bien me faire un béret stérène de longue avec Anna. Dedans, peut-être même refaire un béret velvet de Loli Lafay, parce que celui-là, je le mets tout le temps, je l'adore. Peut-être des chaussettes, je ne sais pas encore. Et puis, si vraiment il me reste pas mal de... Enfin, si on parle plus de reste, mais de grosses quantités, c'est-à-dire s'il me reste un écheveau et demi, je verrai. Parce que c'est peut-être dommage de d'utiliser tout ça pour faire quelques accessoires. Peut-être que je pourrais plutôt faire un autre pull. Je vais voir. En tout cas, ça avance vite et je le trouve vraiment super. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour les projets en cours. Donc, j'essaye de limiter un peu le nombre de projets en cours parce que j'ai, comme je l'avais dit, une longue liste de... tonic list. J'ai mis pas mal de projets sur ma liste d'attente sur Ravelry et j'aimerais vraiment essayer de tricoter un maximum de mon stock parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt tendance à acheter la laine en fonction de ce que je vais utiliser. Donc j'ai plein de projets et ce serait bien que ça avance. Je voulais vous parler un petit peu de lecture. Le premier dont je voulais vous parler, c'est cette série d'Anne Granger, dont je vous avais déjà parlé parce qu'elle a fait une série qui se passe sous l'époque victorienne avec une héroïne qui s'appelle Lydie Martin. Alors ça, je vous renvoie probablement au premier podcast que j'avais tourné, tout premier. Et donc là, elle a sorti une nouvelle série, donc celui-ci, c'est le troisième, qui s'appelle donc Brasier, Héritage et Coup du sort. Il vient après Cottage, Fantôme et Guet-apens et le deuxième volume Manoir, Magouille et Cocovin. Alors c'est super sympa, on suit. Donc Jess Campbell enquête sur les meurtres, donc dans ce troisième, donc les trois volumes se succèdent. On peut les lire indépendamment, je pense, mais au risque de chercher un petit peu les rapports entre les personnages. C'est bien écrit, j'aime bien cette autrice, les enquêtes sont bien menées, on soupçonne souvent le dénouement mais sans être complètement sûr, les personnages sont pas trop caricaturaux, donc vraiment une série qui se lit assez vite et qui est vraiment sympa. Et la deuxième série dont je voulais vous parler, il s'agit de La Roue du Temps. Donc là, c'est un livre audio que j'écoute, hein, mais il existe en version papier. C'est donc plutôt de la fantasy. Ça se passe, donc c'est une série assez longue. Moi, j'en suis au deuxième volume. Je ne sais plus combien il y en a en tout. Donc le premier volume s'appelait L'œil du monde, donc c'est un roman de Robert Jordan, c'est lu par Arnaud Leridan, et j'aime beaucoup ce lecteur, c'est très agréable, il a une voix très agréable à écouter, un peu grave. Dans sa narration, on a les voix de femmes, les voix d'hommes qui sont modulées, c'est vraiment agréable, on sait quand est-ce qu'on passe d'un personnage à l'autre. Dans L'œil du monde, donc le premier volume, on rencontre, on fait connaissance avec les principaux personnages. Donc, il s'agit d'un monde fantastique un peu médiéval dans lequel on va suivre 5 jeunes gens qui viennent d'un village qui s'appelle Chandemond et leur vie bascule le jour où leur village est attaqué par des monstres qui s'appellent des Trollocs et l'arrivée conjointe d'une femme un peu mystérieuse et de son champion. Cette femme, c'est une Aes Sedai qui s'appelle Moiraine et qui va les prendre sous son aile et l'aventure commence. Donc, sans vous en dévoiler trop, c'est une grande quête avec des combats,
un peu de mystère, on ne sait pas trop, il y a une sorte de prophétie aussi. Donc c'est tout un univers qui est, voilà, qui est créé par Robert Jordan. Il y a une série télé qui a été adaptée, alors adaptée, hein, on est bien sur une grosse adaptation. Pour le coup, j'étais assez tentée de voir la série et j'avançais en même temps le premier volume. Au bout d'un moment, j'ai même arrêté de regarder les épisodes parce que j'avais l'impression que ça commençait à dépasser ce que j'avais déjà écouté. Et finalement, j'ai fini par regarder la saison complète et je ne peux pas vraiment vous la recommander. Alors, autant je vous recommande les bouquins qui sont vraiment super. Alors, ce sont, en termes de volume d'écoute, ce sont des livres qui durent vraiment longtemps. Il y a, là, dans le deuxième volume, il y a plus de 50 chapitres, donc ça veut dire à peu près 20-25 heures, voire plus de lecture, d'écoute. Donc vraiment super. Si vous avez commencé à les lire ou si vous connaissez déjà la série, n'hésitez pas à me laisser un petit message, hein, pour partager, je trouve ça toujours sympa. Donc là, c'est ma copine Fanny Bruck qui m'a dit « Oui, vas-y, c'est super ». Comme d'hab, génial. Donc je vous recommande ça. Je vous repartagerai d'autres lectures à venir. En attendant, je vais m'arrêter là parce que je suis tombée déjà à court de batterie une fois. Je vois que ça va pas durer très longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée quand vous regarderez cet épisode. Ça me fait toujours autant plaisir de lire vos messages. N'hésitez pas à partager. Je vous remercie aussi pour les précédents messages que vous m'avez, les messages que vous m'avez laissés sous la précédente vidéo. J'ai pas encore pris le temps de répondre, mais vous me laissez des bonnes idées parfois. Donc là, je vais prendre le temps d'y répondre, mais n'hésitez pas à partager, c'est vraiment toujours sympa de pouvoir échanger directement avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous.